Ça va, vous êtes bien installé? Super, ouais, oui. Très bien. Bon alors, il fait pas beau, mais vous allez voir, la mer c'est un merveilleux monde et on va pouvoir naviguer facilement parce qu'on est sur un catamaran. Donc vraiment, la mer est abordable et on va se faire plaisir facilement. Alors, un petit check rapide. C'est très simple, tout se fait du flybridge. Donc autant envoyer la voile que la voile d'avant, que l'électronique, les moteurs, l'ancre, on peut la faire d'ici ou de l'avant. On a aussi les amarres qui sont à l'avant avec les défenses. Chacun va avoir un poste déterminé et on va répéter les manœuvres jusqu'à ce que ça devienne automatique. Okay. Mais vous allez voir, je suis toujours là et surtout, il faut qu'on se fasse plaisir. Ouais, ça va être sympa. Si vous n'avez plus de questions, chacun peut être à son poste et on va commencer par une manœuvre facile qui est une sortie par l'avant. On peut se mettre en place. Pandy, Patrick, s'il te plaît. Alex, tu commenceras par larguer la mare de l'avant. Et enfin, Johan à l'arrière. Allez, Johan, reprends, reprends. Parfait. La mare larguée. Ok, c'est parti. Allez, on range les défenses et on lobe les amarres avant de les mettre dans les coffres. Alors maintenant, on va faire une prise de quai par l'arrière. Du coup, Alex et Johan, vous serez chacun d'un côté avec un pare-batte et vous allez faire pare-batte volant. C'est-à-dire, vous allez permettre que le bateau ne touche pas l'autre bateau. Par contre, vous ne mettez jamais ni une main ni un pied. Okay. Okay. Toujours le pare-battage. Ok, n'oubliez pas les gants et les chaussures, hein, comme d'hab. Ok, tout est clair. C'est parti, on y va. Vous me donnez les distances à l'arrière? 2 mètres, tribord. 3 mètres, bâbord. Ok. 1 mètre, bâbord. Ok, Alex, tu peux frapper à bâbord? Ok. Amarre bloquée. Amarre bloquée, bâbord. Parfait, Pandy, Patrick, s'il te plaît. La pandille est frappée. Ok, parfait. Merci à tous. Alors, par vent fort, le bateau perd vraiment de sa manœuvrabilité parce qu'il y a énormément de fardage. Donc, dès qu'on est au ralenti, c'est beaucoup plus compliqué de manœuvrer. Donc, soit on cède avec les gaz, en mettant les gaz plus forts, soit on peut faire appel à une annexe du port ou mettre à l'eau l'annexe du bateau. Et puis mettre un marin du bord qui nous aide, qui nous pousse pour faire la manœuvre. Ou alors, dans le cas où on a un moteur en panne, l'annexe aussi peut prendre le relais pour amener le bateau à sa place de port. Vous êtes prêts à la manœuvre? On est prêts. On est prêts. Allez, même précaution, on y va. On y va. C'est parti. Capitainerie de Bonifacio, capitainerie de Bonifacio. Sur le catamaran Wind, à vous. Oui, Bonifacio Marina, bonjour, on vous écoute. Oui, est-ce qu'on pourrait avoir une assistance annexe, s'il vous plaît, pour se mettre au port? Oui, aucun problème, je vous envoie quelqu'un tout de suite. Merci beaucoup.
Amarre frappée. Voilà, je viens chercher la pendille. Ah, cool. Avant de sortir du port, on fait un amarrage en long side à la station service. On va amarrer sur bâbord. Alex, tu t'occupes de l'amarre arrière, Patrick à l'avant, et surtout les autres, vous n'oubliez pas de protéger la poupe et la proue avec les défenses.